si on se dégage. J'adorais naviguer avec les pêcheurs. C'était toute une aventure. Attendez! C'est le sorceleur. Baissez vos armes. Ordre de l'empereur. Sorceleur, quelle bonne surprise. Merci pour ce chaleureux accueil, Votre Majesté. Je vous aurais fait meilleur accueil si vous étiez revenu avec ma fille. Où est-elle ? Pas loin. Et vous, loup blanc, vous n'êtes pas loin de perdre votre tête. Vous êtes insolent car vous pensez que j'ai besoin de vous. Et vous avez raison. Pour autant, ce ne sera pas toujours le cas. Un jour, vous ne me serez plus indispensable. Et ce jour-là... Mais ne parlons pas de cela. Chaque chose en son temps. Que voulez-vous ? Fringilla Viggo. Il paraît que vous avez promis à Yennefer de la libérer. Je comprends. Je sais que vous êtes un homme occupé. C'est pourquoi j'ai une lettre pour vous. Elle vous rafraîchira la mémoire à propos de la loge. Même les requêtes les plus humbles de Yennefer sonnent comme des menaces. J'ai toujours aimé ça chez elle. Très bien, qu'il en soit ainsi. Vous êtes prêt à leur pardonner, vraiment.
J'ai du mal à y croire. Je suis prêt à respecter l'accord que j'ai conclu avec Yennefer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je sais. Il est temps que j'y aille. Nous voilà enfin d'accord sur un point. Garde, amenez Fringilla-Vigo. Retirez ses fers en Dimeritium. Il est inutile de faire les présentations, je crois. Au revoir. Fringilla, ça faisait longtemps. Les autres magiciennes sont sur Ginvael, près d'Artskellig. Nous pourrions prendre un bateau. Oh non, je ne veux plus entendre parler de bateau. Et moi, j'ai horreur d'être téléporté. Mais comme tu voudras, allons-y. D'une Ablette. Arrête de t'empiffrer, regarde, toi, parce que si tu te prends un jour dans le monde... On y va. Il n'y a pas de mauvais drakkar ni de mauvais temps, avec des marins de merde. Oh.
soir. Ok, plus que ça. Regarde un peu ça. Allons-y. Et maintenant, tu vas te faire pousser des yeux, comme Will Schwartz. Je me souviens du moment où je l'ai tué. La culture n'était pas terminée, ses yeux étaient inachevés. C'était répugnant, mais... J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuite. Évidemment. J'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de deux gros rubis. Il n'y voyait rien, mais il paraît qu'il avait fière allure. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il n'est pas mort. Yeah!
Des noyeurs la protégeaient. Comme ça. Il y en a un paquet. J'espère que tu ne comptes pas patauger parmi les charognes. Nous sommes venus pour une raison précise. Bon, comment on fait pour atteindre ? Les escaliers ? Je m'en charge. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi, Yennefer et Triss. C'est difficile pour ça, tu sais. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui renvoies. Triss joue les grandes sœurs avec Ciri, mais ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi jouez les parents attentifs. Si tu comptes t'immiscer dans notre poitrine, arrête tout ça. Regarde un peu. Et maintenant ? Je dois vraiment tout faire à ta place. Tu vois la sentinelle là-bas, qui attend sa solde ? Je te préviens, je n'ai pas un rond. Tu n'ouvres donc jamais un livre ? Il s'agit de Fialan, une légende elfe. Pour passer, il faut payer de son sang. Et voilà. Yennefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'empereur. À ton avis, comment a-t-elle réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge ? Mon avis ? Tu me poses une vraie question ? Pas de Geralt, je suis fatigué. Asseyons-nous d'abord et discutons un peu. La joute verbale, c'est une habitude chez toi ? Cet accord avec Emir ne me concerne pas. Pose plutôt la question à une magicienne. Elle ne t'a donc rien dit ? Et ses projets personnels ? Conseillère à la cour, ça ne serait pas pour lui déplaire, j'imagine. Surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme. Laisse Ciri en dehors de ça. Tu oublies, Geralt, que Ciri est adulte. Elle est capable de prendre une décision. Bon. Et si nous avancions ? Il serait peut-être temps de laisser Ciri vivre sa vie, non ? Non. Tu sais, nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée. Au contraire. Vous avez tout à craindre de mon épée, crois-moi. Attends, il y a quelque chose ici. Tu le sens ? Non, mon médaillon non plus. Cette babiole ridicule, laisse-moi rire. Entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant, il y a un abîme de subtilité. Regarde. Aranuma.
Cela signifie que la pierre de soleil est bien ici. Ne reste pas planté là comme l'idiot du village. Essaie de bouger les miroirs. Enfin. Donne-la-moi et sortons d'ici. Pas si vite. Une petite discussion s'impose. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi. Te changer en corbeau et t'envoler en me plantant là, c'est ça? Quelle drôle d'idée, voyons. En ce moment même, rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Ciri. Pour tout te dire, j'aimerais discuter de l'avenir, mon avenir. Ne t'en fais pas. L'Empereur a certainement des projets pour toi. Je suis sérieuse, Gérald. Écoute-moi attentivement. Une fois que nous aurons vaincu la chasse sauvage et que Ciri sera en sécurité, l'ascension de Yennefer à la cour connaîtra une fin abrupte. Personnellement, cela me convient très bien. Si la loge doit renaître de ses cendres, je veux jouer les premiers rôles. Je ne vois pas où tu veux en venir. Corrige-moi si je me trompe. Mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage, tu as prévu de filer en douce avec Ciri et de disparaître dans la nature, n'est-ce pas? C'est très romanesque, mais au lieu de détruire sa vie, pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi? Triss risque de ne pas être d'accord. Je vois. Dans ce cas, laissant un mot à Yennefer, tu veux bien? Je sais qu'elle t'écoutera. Tu veux prendre la place de Yen auprès d'Emir.
et auprès de Ciri. C'est inévitable, tu comprends? Et pour être honnête avec toi, je n'ai aucune envie de faire souffrir Yennefer. Il serait dommage pour elle de croupir dans les geôles impériales, sans compter que l'image de l'Empereur en pâtirait. Tu as terminé ton petit discours? On peut y aller? Vas-y, je ne te retiens pas. Je m'en vais.